1898 لأواخر الفترة العثمانية، وهو جزء من قصور متواجدة في قصر الشبلة، لأن احنا بجوار قصر عزيزة، قصر خداوي العامية، قصر حسن باشا، يعني رانا في جزء من قصبة في كثير من القصور. لما الزائر يدخل هذا القصر هذا ينبهر بالعمارة التي سيد بها المدخل، له باب يعني باب قوي كبير يعني آخر Et après, il y a le vestibule qui est assez long. Il y a une autre fonction à faire le passage pour rentrer à la maison. Mais c'est un lieu où le vieil de l'époque, Mustapha Pacha, venait tuer ses affaires courantes le jour où il vient ici. Il fallait être fréquenté uniquement le jeudi soir. Et le lendemain, après le pillage du vendredi, il repart vers sa résidence du gouvernement, trouvée à l'époque à l'Egenina. Le palais Egenina a été démoli au début de l'époque coloniale. J'ai intéressé mon chef de début, il continuait à siéger pendant son séjour ici, il continuait à traiter ses affaires et il rencontre les audiences des gens, tout en tête en bas, pour que les gens peuvent s'asseoir et attendre leur tour. Maintenant, ce vestibule, c'est la grande partie des murs de ce vestibule qui sont pavés de carreaux, je veux dire, montre la qualité, le goût de l'époque, quelqu'un qui est très raffiné, très recherche les nouveautés dans le domaine de l'architecture. La présence du marbre, ils sont d'une grande présence dans ce palais. L'ensemble de ce marbre vient d'Italie, de Carrère. On a vu déjà dans ce vestibule qu'il y a le premier puits lumière pour éclairer le palais, tout le côté du vestibule jusqu'à l'entrée. Vous pouvez bien avoir une cour rectangle, normalement leurs cours sont de forme correcte pour respecter la tradition islamique. Même les espaces entre les colonnes sont égaux, c'est en mesure on pourra que les espaces sont égaux pour respecter cette forme de carré. Et toujours dans la cour centrale, il y a toujours une frontière de différentes formes. Ici, c'est la forme octogonale, et d'autres palais, on trouvera peut-être des formes carrées, rectangles, tout dépend du choix du propriétaire. Et tout autour, il y a des pièces. Ici, de nombreux cadres, avec des portes en bois. Les chambres sont généralement occupées par concubines du gouverneur qui s'installe ici. Et ça favorise les légitimes, là, ces dépendances privées. Vu le goût et la qualité de la confection de chapiteaux, les gens sont toujours amoureux de ce genre de chapiteaux, qui n'empêche pas qu'on a leur propre chapiteau, mais vu la qualité de la fabrication et le goût très raffiné de l'époque, les gens cherchent toujours à avoir le meilleur. Et pour intégrer cet élément dans l'espace, dans l'architecture arabo-musulmane, on a introduit le croissant comme élément musulman propre à nous. C'est-à-dire pour utiliser ce tableau de comment intégrer un produit chrétien ou païen dans un espace où on a dans l'architecture comme ici, un palais qui pratiquent l'islam. Alors c'est pour utiliser ce débat ou ce tableau, en introduisant le croissant sur le chapiteau ou n'importe quel élément autre, ça a mis fin à tout tabou, à toute discussion concernant l'intégrité des produits venus d'extérieur dans le monde musulman.